6h, à tout à l'heure. 6h07, bonjour Denis Collard. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Ah, ça se rafraîchit, hein? Ça se rafraîchit et place aux averses hivernales pour aujourd'hui. Des giboulées, alors ça peut tomber sur différentes formes. Pluie froide près du littoral et en plaine, pluie et neige mêlée, grésil, neige, neige fondante, il y a un petit peu de tout. Pour l'instant, les températures sont négatives en Ardennes. On note un léger saupoudrage au-dessus de 400 mètres d'altitude. Les paysages sont blanchis, mais sur les routes, ça va encore pour l'instant. Mais donc, d'autres giboulées vont rythmer cette journée. Avec, pendant les giboulées, possibilité, y compris sur le centre du pays, de voir le sol se blanchir légèrement. En dehors de ces giboulées, les températures devraient remonter entre 1 petit degré en Ardennes, 5 à 6 du centre vers l'ouest. Mais donc, prudence déjà aujourd'hui. La nuit prochaine, petite accalmie avec des températures qui redescendent entre moins 2 et plus 2 degrés. Formation de quelques plaques de glace possible. Et puis demain, ça se confirme, ce sera la journée neigeuse de l'hiver avec l'air doux qui est en France, l'air froid qui arrive chez nous et au contact des deux, et bien demain, des chutes de neige quasiment toute la journée à partir du milieu de la matinée jusqu'en fin d'après-midi. Neige fondante, peut-être pluie près du littoral, mais à force de tomber, ça pourrait s'accumuler. Et sur les hauteurs de l'Ardenne, l'accumulation pourrait être plus significative. Entre 3 et 600 mètres d'altitude, on pourrait monter entre 5 et 13 cm. Et ça, c'est pour la prévision la plus optimiste pour demain. Situation qu'on va suivre évidemment de très près. On compte sur vous, bien sûr, Denis. En tout cas, la journée hivernale de cet hiver, vous parlez peut-être un peu vite, hein, on ne sait jamais, il y en aura peut-être encore d'autres. Hein. Il pourrait y en avoir d'autres, mais en tout cas, là, on aura la conjonction demain de l'air froid et de la neige en quantité, ce qu'on n'a pas encore vu cette année. Ça, c'est vrai. Merci Denis, à tout à l'heure. Le 6-7 de Matin Première, Sophie Brems. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Matin Première en ce mercredi matin, mercredi 26 février. Merci de nous avoir rejoints pour entamer donc cette journée. Dans l'actualité de ce matin, il y a toujours ce Covid-19 avec des impacts de plus en plus nombreux. On vient de l'entendre dans le journal, des confinements qui se multiplient. Mais il y a aussi des conséquences plus positives. L'air en Chine est devenu beaucoup plus respirable. Moins de voitures, moins d'industrie. La pollution au-dessus des grandes villes a diminué jusqu'à 50% par endroit. Et c'est visible depuis l'espace. Et oui, c'est un satellite européen qui le démontre. On en parlera avec notre invité à 6h30. Dans l'actualité de ce matin, il y a aussi un anniversaire. Les 50 ans de la plus célèbre hôtesse de l'air, Natacha. Sa première aventure fut publiée le 26 février 1970 dans Spirou. Qui a inspiré Walteri? Nous dresserons le portrait de cette liégeoise dans quelques minutes. Mais avant cela, un